Tiens, premier cheven, en direct. Oh, j'ai fait un premier cheven, il l'a vu devant lui. Oh, je l'ai fait devant. Oh, énorme, juste après avoir fait la carpe. Ah purée, j'ai pas d'avenot. Ah, le premier cheven, au bout de loose. Oh, je m'y attendais pas à ce qu'il vienne rocher sur moi. Eh, comment on fait maintenant? Y'a quoi là? Oh putain! Ah! Tso! Woodlose! Attends, j'ai un avenot dans ma voiture. Je tente un truc de ouf. Attention. Il est bien piqué. 1, 2, 3, je tente un truc de ouf! L'avenot pourri du grand-père. Vite! L'avenot pourrave du grand-père. Le retour acte 2. Après le bal. Mais c'est quoi cet avenot? Ah! Hey, mais franchement, cet avenot, le grand-père, mais il l'a acheté où? Il l'a acheté aux soviétiques, c'est pas possible. Ah, ça m'énerve, qu'est-ce que ça m'énerve? Putain d'avenot! La galère du shop de ouf! Je vois rien, je suis dans les orties! Oh, il passe à travers l'avenot, putain! Mais c'est vraiment un avenot, mais. Oh, j'ai envie. Mais le grand-père, sérieux! Qu'est-ce qu'il m'a refilé? Premier cheven, bon petit cheven, c'est un petit, un woodlose, hein. Mais première sortie, c'est pas beau ça? Il a rushé dessus. Voilà, avec la 5-20 grammes, bon il fait combien Tiens, oh putain, elle a tombé, je viens juste de lancer, premier lancer, je fais un fiche, énorme. Premier lancer, je fais un fiche, je sais même pas si la caméra s'est activée. LOL, premier lancer. Oh, c'est extraordinaire, le woodlose. Je viens juste d'arriver sur... en train de faire ma dérive. Oh, c'est extraordinaire. Oh, le chub. Le mastoc. Oh, j'ai pas d'avenot. Yes, papa. Oh, je viens juste, c'est mon premier lancer. C'est mon premier lancer. C'est un truc de dingue, ce woodlose. Oh, punaise. Oh, c'est génial. Oh, le plaisir, je reprends goût, petit poisson, quoi. Oh, encore petit, beau quand même. Oh, extraordinaire. Attends, je vais déjà le défaire, parce que le problème, c'est que ça peut m'engammer le woodlose. Oh, c'est génial. À peine elle a tombé, boum. Bon, bah, voilà une dérive qui commence très très bien. Et, rends-moi mon woodlose. Voilà. Par contre, j'aimerais bien le récupérer. Ça s'abîme vite, par contre, cette saloperie. Voilà, je le mets là. Et je vous présente... Aïe, doucement. Voilà. Cheven du Cher. Oh là là, regardez. Oh, il s'est fait attaquer. Regardez l'état dans lequel il est. Il s'est fait engammer par un silure. Ah, il s'est fait engammer par un silure. Regardez. Regardez là, la caudale. Regardez comme il est... Super. Du beau cheven, hein? Allez, où? Oh, lui, il a eu le silure au cul, à mon avis, il n'y a pas longtemps, lui. En direct. Oh, putain, il a lâché. Il a lâché, le con. Oh, il a lâché, le con. Il a lâché. Il me l'avait pris en direct. Oh, il l'a lâché. Oh, le con. Oh, comment je l'avais baisé.
Regarde en direct. Regarde en direct là, c'est pas beau ça? Putain, Mother of God. Oh, c'est beautiful. Beautiful. Par contre, faut pas qu'il aille dans les branches. Oh, par contre, faut pas qu'il aille dans les branches, je suis un peu emmerdé là. Ah merde, je suis accroché. Ah, et bah ça, c'était pas prévu ça. Oh, il m'a pété le wood loose. Ah, purée. Ah, marronnier à deux balles. Ah, je vais juste d'en louper un, j'en fais un. Purée, ça a les watts, hein. Ah, ça a les watts, ça. Ah, c'est génial, j'en ai loupé un juste avant, en plus. Oh, les gros vifs à silure. Yaaaah. Chub, numéro 3 de la journée. Oh, ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Yes. Par contre, ça va coûter cher en woodlose, hein. Ah, l'autre, il me l'a loupé, c'est énorme. Ils viennent au ras de toi, ils ont pas peur. Hein. Faut pas que je pêche là tous les jours, parce que sinon, ils vont être éduqués, hein, les pépères. Ça sera mieux que la carpe en stalking, parce que de toute façon, je ne fais que des conneries. Ah, dis donc. Ça, c'est de l'hameçon. Hein. Je suis plus habitué à enlever des gros triples. Voilà, c'est bon. Hop, allez. Salut, pépère. Opération Woodlose, les gars. Chut. Regardez, ils sont quatre. C'est qu'ils l'ont vu le machin. Il y en a un là, regarde, ils sont là. Tiens, en direct, regarde un peu en direct. Oh purée, oh il est beau celui-là. En direct, c'est énorme, ils sont sur moi en direct. Oh ils sont sur moi en direct, c'est un truc de ouf. Oh c'est un truc de ouf. Oh celui-là, il est beau celui-là. Oh celui-là, il est beau. C'est un truc de... C'est un truc de malade. Oh je les rends dingue. Je les rends dingues. Ah, ils sont énergiques, hein. Ah, par contre, je perds tous mes... Ah non, le woodlose, il est là. Ouf. Bon, là, je crois que le spot, je l'ai cramé. Oh, purée, ils étaient au milieu de moi. Ils sont pas méfiants, hein. Ils sont pas méfiants. C'est ça qui est bon de pêcher... Ah, de pêcher des spots que personne ne pêche. C'est qu'au moins... Ah, purée, bah, par contre, j'ai la grosse canne qui se prend dans les arbres. Yes! Mother! Et voilà, Chub au woodlose, à vue. Yes. Ah, je m'éclate comme un gamin. Oh, c'est touche à vue, c'est génial. C'est pas méfiant du tout, hein. Allez, no kill rapide. Oh là là. Ah là, les siluristes, ils me diraient, wow, les vifs à silure que t'es en train de laisser. Oui, c'est bon, bah, hey, ça va. Alors, on en a deux là-bas. Allez, purée, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, encore un. Lol, à vue, encore à vue sous son tronc d'arbre. Oh, l'opération Woodlose, oh purée, opération Woodlose, c'est énorme. Oh, il est steak, il est steak, oh il est steak. Oh, je vais y aller tout doucement parce que je suis pas avec un silure là. Oh, c'est génial, c'est génial. Des massifs pépères. Donc ils se prennent pas dans les herbes. Ça c'est moins cool. Les herbes c'est toujours moins cool. Tiens, viens là. Oh le steakos. Le steakos. Aïe, 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 aïe. Ouf. Oh, ça déboîte. Regarde-moi le steakos. Oh, cette grande bouche qu'il a. Ah yes, purée, c'est steak. Oh là 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 là, regarde-moi le fat boy. Le fireball.
Oh, ils sont magnifiques. Cette puissance qu'ils ont. Oh, à vue, c'est extraordinaire. Ils étaient deux, là, sous leur arbre, là, en train de ronquer, là, comme au transat, là. Ah, je lui balance le Woodloose dans la tronche. Boum. Superbe. Yes, les gars. Oh, regardez-moi, le Stekos. Oh, ça, c'est du chevesne, hein. Oh, je les mesure pas, parce que, bon, c'est pas grave. Mais franchement, vous voyez, là, les engins, là. Oh là là. Ah, c'est que du maousse, hein. Poisson, poisson direct. Ah, ça y est, j'en ai fait un. Ah, par contre, je suis dans le... Attention, pas que je force de trop parce que je suis dans l'arbre. Hop. Hop. Ah, purée, 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 purée. Chevesne en direct. Bon, j'ai réussi à en faire un quand même parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile avec la chaleur, ils sont pas réactifs du tout. Là, ce coup-ci, je les ai eus. J'ai eu celui-là. Oh là là. Elle est ouate, hein. Ah merde, il a enroulé. Il a les ouates et il m'a coffré le Woodloose. Il me l'a coffré. Coffrage de Woodloose. Et beau celui-là. Voilà. Un beau chevesne, une fois de plus, coffrage du Woodloose. Impeccable. Bon bah je suis pas bredouille. C'est pas évident aujourd'hui, là il fait 35,5 degrés. Sur l'eau, franchement ça va. Je... Merde, mes lunettes. Oh boy. Ouh, lève là. Il fait 35,5 degrés, donc très très chaud. Les poissons sont complètement apathiques sous les arbres et je vois beaucoup moins de chevesnes qu'hier. Ils sont beaucoup plus reclus. Mais bon voilà, un magnifique poisson. Bien fat, impeccable. Ça fait du bien quand même. Qu'est-ce que ça fait du bien. Non, pas le kayak, c'est que là je suis en train de pisser dans l'eau en fait.